This week, the restoration of Pernal's roof and facades makes great progress as our artisans commence the construction of the second enormous umbrella that will protect the northern side of the chateau during this second phase of the roof restoration. Plus, the epic coats of arms on the chateau facades get a clean from centuries of build-up of algae and dirt. And our stonemasons carefully carve and position into place the fourth and final decorative feature under the chateau oculi. It's a grey old winter's day, but actually it's a really beautiful, spectacular day here at the chateau because it's one of those days when the mist sits over the Grande Allée for the whole day and it feels like we're living up in the clouds. But something very exciting is happening today because our artisans have started constructing the second of Pernon's enormous umbrellas that will protect the western side of the chateau during the restoration works on the western side of the roof here, and the eastern side is now finished. And you may remember we didn't use an umbrella and we had lots of problems getting tarps on and off and protecting the chateau during the terrible weather. And so this second umbrella is on the northern side. The umbrella on the southern side was constructed a couple of months ago now, and it will allow our artisans to start work here on the restoration of the northern side of Pernon's incredible roof. Amazing progress. Et bien là, nous sommes en train donc de faire ce qu'on appelle le nettoyage primaire, c'est-à-dire que nous enlevons la couverture biologique qui en fait recouvre les volumes sculptés et qui empêche leur bonne lecture et qui contribue aussi à la dégradation de la pierre par leur implantation. Alors en fait, il y a eu un traitement biocide préliminaire pour pouvoir les enlever plus facilement. Et après cette étape de
cette première étape où on gratte ce qui est en forte épaisseur, on aura une étape de brossage avec de la vapeur. Par rapport à la pierre existante qu'il y avait là, du coup on l'a supprimée. On a fait un bloc capable de manière à pouvoir la rentrer dedans. Et avant de la mettre en place du coup et de la coller si tu veux, en fait du coup il la taille, il retaille la poire. Mais pour pouvoir le faire en fait, il a besoin d'avoir l'exemple sous les yeux, ouais. Qu'on a une face plane. Et en fait on vient chercher les profondeurs. Donc mettons, je dis une bêtise, mais par exemple pour là, on prend la face plane, on mesure, on voit 3 cm. On prend la même face plane, on prend l'arête d'en dessous, et là, tu vois, on verra que 1 cm. Et en fait, c'est avec un système de profondeur comme ça. Donc en fait, il se fait un système de points de référence. Oui. Et après, à chaque point de référence, en fait, tu vois, il va commencer à enfoncer, puis après, il va enfoncer un peu plus, et ainsi de suite. C'est... Et après, il y a un principe de tracé. Donc on a des. Quand on est sur quelque chose de circulaire, en fait, on vient d'abord à créer un cylindre, donc ouais. Du diamètre le plus important. Ouais. Et après, en fait, il vient à redonner la forme. Justement avec cette prise de côte là, et ça te permet du coup de recréer la poire qu'il est en train de faire là. Tu vois, ça te permet d'avoir en fait l'arrondi comme ça, la courbe en vague comme ça, là existant, comme tu peux l'avoir là. Donc tu vois, regarde, il se fait des points de repère, donc il a trouvé son axe. Ouais. Donc après il s'est fait des axes en fait tout simplement, et par rapport à ces axes en fait, il est venu, je pense, récupérer les profondeurs. Tu vois, au fur et à mesure, et à chaque fois, il se décale. D'accord. Et là, comme tu peux voir, donc, le trait extérieur qui est là, ça représenterait à peu près là. Ouais. La courbure qui est inférieure, à un niveau inférieur, ça représenterait ce trait-là. Et après, du coup, la base de la poire, en fait, tu l'as là. Donc le haut de la poire va être fin. Et après, bah, plus on va grandir, plus ça va s'agrandir comme ça. Donc après, il y a un système de vaguelettes. Donc en fait, ça démarre comme ça, hop, ça rétrécit et ça ragrandit comme ça. Et donc du coup c'est ça, ces systèmes là. Donc le bas, et après au fur et à mesure que tu viens monter sur la poire, donc tu démarres petit, et à chaque fois que tu avances, tu augmentes ton diamètre, comme ça au fur et à mesure. Et après, bah, même procédé pour la qu'on appelle la queue de la poire, ouais. Et après bah, du coup les arrondis quoi. Incroyable. Mais bon après ça faut avoir de l'expérience pour ouais, pouvoir le faire. C'est que... Il y a 2 jours minimum. D'accord. On travaille sur la poire. Ok. Et ça fait combien de jours déjà? Une journée. D'accord, ok. Une journée. En total, ce sera 3 ou 4 jours pour le faire. Oui, bah là, on va faire la poire en 2 jours et après, le temps de la poser, de l'ajuster vraiment sur place, ça fera voilà, 3 jours. D'accord. Merci. De rien. Thank you.
forget, if you'd like to follow the restoration of Pernon more closely, we post a daily update in our Instagram stories. If you'd like to support the restoration project here at Pernon, we post an exclusive weekly video over on Patreon. Otherwise, just hit the subscribe button and we'll keep you updated here.